Bonjour Lana. Ah patron, c'est vous. Bonjour. Oui, justement, j'étais actuellement sur un dossier pour une maison à Brookhaven. Vous savez, la petite maison là, près de la grange. Celle-là, elle est en vente. J'ai peut-être éventuellement une cliente qui pourrait l'acheter. J'ai aucun doute pour vous, Lana, que vous allez la vendre, cette maison. Mais vous êtes aujourd'hui la meilleure agente immobilière de tout Brookhaven. Et ce genre de petite maison merdique au bord d'un champ de blé rempli de merde de vache, c'est plus vraiment de votre sort, n'est-ce pas? C'est vrai que j'ai reçu le titre de la meilleure agente immobilière de Brookhaven. D'ailleurs, j'en ai eu un diplôme, un certificat, etc., etc. Mais mes boss, vous savez que moi, toutes les maisons qu'on me donne, je vais tous les vendre. Même la plus petite et la plus merdique de Brookhaven, je pourrais la vendre au double de son prix de base. Oui, Lana, j'ai vraiment aucun doute là-dessus. Vous êtes mon meilleur élément de l'entreprise. Et j'ai donc décidé de vous faire confiance. Vous savez, cette grande maison, magnifique maison sur la grande falaise de Brookhaven. Attendez, vous parlez bien de la maison des Jefferson, la maison la plus grande de tout Brookhaven. Non, me dites pas ce que je pense que vous allez me dire. Eh bien si, Lana, cette maison, c'est nous qui l'avons. Et il va falloir la vendre. Et comme j'ai commencé à vous le dire tout à l'heure, je vous fais confiance. Vous avez un diplôme. C'est pas pour rien, vous allez avoir une énorme commission sur la vente de cette maison. Et en même temps, les Jefferson, c'est un peu triste qu'ils partent de Brookhaven. C'est. Voilà, c'est des acteurs. Ce couple d'acteurs est vraiment. On va dire les seules célébrités de Brookhaven, mais en même temps, dans ce trou qui est notre ville, je les comprends. Alors, ça vous intéresse? Oh, waouh, mais bien sûr que ça m'intéresse. Oui, bien sûr que oui. D'accord, Lana, je vais vous envoyer le dossier par mail. Mais. Gardez la tête froide. Les Jefferson veulent rapidement vendre cette maison. Ils ont besoin de l'argent pour acheter à Los Angeles. Donc dépêchez-vous, trouvez-moi des clients et vendez-moi cette maison dans la semaine. Oh mon Dieu, mais c'est la maison que tout agent immobilier voudrait vendre. Et c'est moi qui vais devoir la vendre. Oh non, mais c'est. Oh, trop génial. J'ai hâte de commencer. Faut vite que je commence. Oh, vite qu'il faut qu'il m'envoie le dossier là, que je vois un petit peu et que je commence déjà à trouver des clients. Et d'ailleurs, des clients, je pense en avoir dans mes contacts qui pourraient être intéressés par cette magnifique maison. Je pense que je vais aller la visiter. Comme ça, je pourrais déjà faire un dossier béton. Waouh, déjà d'ici où on voit la maison, elle est magnifique. Je suis sûre que je vais la vendre très rapidement. Oh, la commission, je vais gagner au moins 3 millions de dollars rien qu'à vendre cette maison. Oh là 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 là. En plus, j'ai pu avoir les clés aujourd'hui, comme ça je vais pouvoir commencer à noter un petit peu les atouts de cette maison avec mon super calepin de super agente immobilière. Oh, cette entrée! Oh là 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 là! Oh, ce salon! Quelle magnifique baie vitrée! Alors là, les clients vont être époustouflés. Oh, ils pourront s'asseoir, regarder la baie vitrée, ouvrir directement, aller dans la piscine, c'est magnifique. Oh, cette cuisine, j'avais pas vu. Oh là là, super ergonomique. Oh, il faut que... Oh là là, il y a tellement de choses à noter. Oh, quel évier super, il est noir en inox. Oh là 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 là. Et ce frigo américain. Oh, oh si j'avais assez d'argent, je me l'achèterais cette maison. Mais peut-être un jour, mais pas pour l'instant. En tout cas, super cuisine ergonomique. Magnifique, j'adore, j'adore. J'espère qu'il y a une double vasque dans la salle de bain. Waouh, oh, je n'avais pas vu, moi. Ah. Elle est immense la télé. Je vais t'avoir. Ah! Putain! Tu m'emmerdes! Tiens, prends ça! Oh, qu'est-ce qui se passe ici? Ah. Mais qui êtes-vous? Ah. Vous faites quoi dans ma maison? Bah, je suis l'agente immobilière et je suis là pour vendre cette maison. Vous êtes intéressé? Quelle maison? Bah, Quelle vente? celle-ci? Elle est pas en vente. Mais bien sûr que si, le couple Jefferson a décidé de mettre cette maison en vente. Moi, j'en sais rien, non, c'est pas possible. Mais vous êtes Puis, qui? Si vous n'êtes pas un client, moi? vous êtes qui? Bah, j'habite ici, moi. Vous êtes... Ah, mais vous êtes le fils Jefferson! Oui, c'est moi. Ah, mais vous n'êtes pas parti avec vos parents? Bah, non. Ah, d'accord, bah écoutez, hein, sachez que la maison est en vente actuellement. Je vais en parler avec mes parents, mais de toute façon, vous n'allez rien faire ici. S'il vous plaît, sortez. Quoi? Mais je dois vendre Allez, cette. plus vite! Mais je. Vous allez chercher un autre écran. Mais écoutez. Allez, plus vite! Plus vite! Je reviendrai demain avec. Oui, d'accord, des clients, donc s'il vous plaît, soyez prêts demain, je repasserai, hein! Oui, bien sûr.
Mais... dans Vorel. Mais il est taré. Oh mais moi, il faut que je vende cette maison. Bon, je pense qu'il a compris le message et demain, je vais pouvoir venir ici avec les premiers potentiels clients. J'avais pas qu'il était encore là, le fils Jefferson. Il semblait que la maison allait être vide. Enfin, du moins, c'est ce qu'on m'avait dit. Bon, c'est pas grave. En tout cas, je vais appeler des clients pour demain. J'espère qu'il va acheter la maison. Le visiteur aujourd'hui est un très 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 riche, voire même millionnaire, qui vient exprès d'Angleterre pour éventuellement venir habiter à Brookhaven. Ah, j'ai trop hâte de commencer la visite. Ah, bah le voilà. Bonjour Monsieur McDonald, je suis ultra enchantée de vous rencontrer. On va débuter la visite de cette magnifique maison qui surplombe Brookhaven. Veuillez me suivre. J'aime vraiment beaucoup votre enthousiasme. Allons-y, je vous suis, mademoiselle. Nous sommes actuellement dans la pièce principale, comme vous pouvez le constater, vraiment immense, qui prend toute la longueur de la maison. Un espace de vie ouvert avec une bibliothèque en fond, un salon avec une magnifique télé... et ainsi que la cuisine. Sachez, Monsieur McDonald, que cette maison est vendue meublée dans son intégralité avec cette magnifique cuisine équipée. Je vais vous montrer également la première chambre. Donc c'est une chambre qui est assez petite, mais je suis sûre que vous en trouverez une utilité. Suivez-moi. Oh, yes, effectivement, elle est pas très 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 grande. Je pense que ça fera l'affaire comme une chambre d'invité. Hey, à Brookhaven, on dit pas une chambre d'invité, mais une chambre d'amis, mec. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Je vous avais dit que j'avais une visite aujourd'hui et qu'il fallait me laisser la maison libre. Ouais, j'ai contacté mes parents, mais de toute façon, en attendant, je voulais que j'aille où? Ils m'ont dit, donc je dois me démerder, mais bon, si vous voulez, en attendant, je peux vous raconter des petites anecdotes. Alors, vous savez, c'est une petite chambre, et c'est la chambre de ma petite sœur. Elle avait 3 ans, alors 4 ans, je crois. Bon, en fait, j'en sais rien, parce que voilà, quoi, elle est plus là, déjà, donc voilà. Et bon, en gros, à l'anniversaire, mes parents voulaient lui fêter son anniversaire. Et ils avaient pas le temps, donc ils m'ont dit de trouver un clown sur son anniversaire. J'ai trouvé le clown coin de rue, il était un peu paumé. Je lui ai dit, tu veux pas 5$ pour faire le clown? Il a dit, si, pas de problème. Il est venu, mais le problème, c'est qu'il avait un petit creux. En fait, il a cuté ma sœur, et depuis, j'ai plus de sœur, voilà. Quoi? Mais on m'avait pas dit que vous aviez une petite sœur? Si, si, j'ai une sœur, mais elle est pas dans les papiers, elle est nulle part, parce qu'en fait... On a pas informé les flics et tout ça, en fait. Mes parents, ils l'ont foutu dans le congélant en bas parce qu'ils veulent la ressusciter un jour. Vous voyez, quand la technologie va évoluer. Donc, en fait, c'est pour ça que personne ne sait rien, en fait. Et lui, il avait une petite sœur avant. J'avais une petite sœur, et là. What? What did you say? Je ne comprends pas. Mais attendez, c'est une maison de sataniste. Je ne veux pas acheter une maison dans laquelle il y a eu un meurtre avec un clown. Et tes parents qui veulent ressusciter et qu'ils ont mis leur propre fille dans le congélateur. Non, je ne peux pas accepter cela. Moi, je veux une maison qui est correcte et saine d'esprit. Je m'en vais, bande de tarés. Mon Dieu, mais c'est horrible. Mais sachez que je suis vraiment désolée pour votre petite sœur. Vraiment, hein, je ne savais même pas, voilà. Mais vous devez pas m'interpeller pendant ma visite, parce que sinon je n'arriverai pas à vendre cette maison, vous comprenez? Ouais, mais vous parlez de quelle sœur? J'ai pas de sœur, moi. Moi, à plus. Quoi? Oh, le petit! La visite a l'air de super bien se passer, et je sais pas où il est passé, le taré, mais il a pas l'air d'être là aujourd'hui, et j'ai presque fini. Ah, ça fait plaisir. Effectivement, c'est magnifique, cette maison, pour moi et mon fils. Et puis mon mari qui viendra de l'autre bout de la planète. Actuellement, il est sur Mars avec son équipe. Et non, la maison m'intéresse énormément. Mais j'ai vu qu'il y avait un joli extérieur. Vous pouvez nous le montrer? Ah oui, bien sûr. Il y a un extérieur magnifique. Suivez-moi, regardez. Ici, déjà, nous avons un spatio. Enfin, je crois que ça s'appelle un spatio avec un... une petite kitchenette extérieure et suivez-moi, je vais vous montrer la piscine, elle est extraordinaire. Bon, vous l'avez déjà vue à l'entrée au niveau du salon, mais je pense que de la voir encore de plus près, et ben vous allez voir, vous allez vouloir acheter la maison tout de suite. Et je peux vous dire qu'il y a un bon paquet de personnes qui sont sur cette maison et qui veulent l'acheter, donc vous devriez vous dépêcher de vous décider. Suivez-moi.
Ah mon dieu, mais qu'est-ce qui se passe ici? Maman, maman, moi aussi j'ai la même chose en bas. Fiston, je t'interdis de regarder. Viens, il faut vite qu'on parte de cet endroit maléfique. Encore vous, vous avez saboté encore pour une nouvelle fois ma visite, mais... Oh, je n'en peux plus. Ah, vous devrez vous détendre de temps en temps, là. Vous devrez essayer, par exemple, de faire des longueurs à poil, là. Ça détend très bien, hein. Surtout l'entrejambe. Oh, ça y est, j'en ai marre de vous. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire pour me débarrasser de cet idiot? Pour enfin pouvoir faire une visite? Tranquillement. Il y a tellement de ventes qui me sont échappées. Et puis mon boss, il commence à me poser des questions sur pourquoi j'ai toujours pas vendu la meilleure et la plus belle maison de Brookhaven. Oh, j'ai eu le facteur ce matin. On va voir ce qu'il m'a ramené. Oh, j'ai gagné un prix. Oh, du plus beau gosse de Brookhaven. Oh, c'est normal que j'allais le gagner. Ouais. Je vais vite chercher ma voiture, Gigo. Je vois que c'est dans une heure la distribution. Ouais, je la rate. Hein. Oh, c'était de la merde ce concours là. Il n'y en avait même pas de concours là. J'ai rien compris là. Oh là là. Ah, tiens, monsieur Jefferson. Ah, j'ai bien vu votre voiture, mais vous foutez quoi chez moi encore à cette heure là? Eh bien, il était bien ce concours! Ah! Mais c'était vous! Le concours! C'est vous, cette arnaque! Eh oui, c'était moi, monsieur Jefferson, parce que pendant que vous y étiez à ce magnifique concours, qui d'ailleurs se déroulait à l'autre bout du département, il vous a pris plusieurs heures à y aller et à revenir, eh bien sachez que j'ai eu le temps de faire visiter votre maison à plusieurs clients, et que... Regardez-moi ce joli papier! Eh bien, votre maison va être vendue, c'est bon, les clients ont accepté. J'ai une offre de vente. Oh non, ma maison d'enfance, où j'ai vécu avec mes parents, les meilleurs moments. Et depuis, je les vois plus. Limite, on se parle plus, je les ai une fois dans l'année à Noël. Au téléphone, et vous l'avez vendue. Mais c'est quoi? Mais qu'est-ce que je vais faire? Il y a mon canari enterré dans le jardin, je vais faire quoi? C'est... Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Ah, j'ai envie de me suicider! À l'aide! Ah! Oh, mais je savais pas qu'il y tenait tant que ça, cette maison. Je pensais qu'il voulait juste m'emmerder, c'est tout. Mais en fait, il y tient vraiment. Il est pas méchant dans le fond. Oh, bah du coup, je m'en veux maintenant. Ah, ça fait plaisir de enfin vendre cette maison. Je n'en pouvais plus, sachez-le. Ah oui, vous aviez du mal à vendre cette maison, pourtant y a beaucoup de gens, je suppose, qu'ils ont voulu l'acheter, non? Je vous ai quand même fait une offre au-dessus du marché. Ah oui, effectivement, mais vous savez, avec tous les problèmes qu'il y a dans cette maison, je sais pas pourquoi vous l'achetez, mais moi ça fait plaisir, je vais avoir une belle commission dessus. Attendez, vous voulez dire quoi par problème? Vous m'avez pas dit qu'elle avait des problèmes, cette maison? Vous l'avez super bien vendue, hein? Dites-moi, qu'est-ce qu'il y a? Ah bon? Il me semblait que je l'avais évoqué pendant notre visite. Vous savez, la maison, elle est sur un terrain en pente. Et d'ici 2 ans, la pente, elle va complètement couler. Et la maison, elle va couler avec. En plus de ça, on a décelé qu'il y avait un volcan juste en dessous de la maison. À n'importe quel moment, elle peut exploser. Mais bon, c'est pas grave tant que vous pouvez en profiter encore pendant quelques mois. Je trouve que c'est quand même pas cher payé pour une maison aussi belle que celle-là. Vous blaguez, j'espère. Un volcan? Et un glissement de terrain? Oui, mais comme je vous ai dit, c'est pas très très grave. Et en plus de ça, la maison, elle a été construite sur un ancien cimetière indien. Bon, vous signez? Non mais ça va pas. Moi, je veux pas qu'il y ait des gens chelous qui apparaissent pendant la nuit à cause du cimetière. J'ai pas envie de mourir à cause du volcan, mais gardez-la, votre maison pourrie. Y'a plus personne, sachez-le que je suis influenceuse sur Instagram, et sur Facebook, et sur Twitter. Et votre maison, vous allez jamais la vendre parce que je vais en faire une pub. Et vous allez voir, personne voudra l'acheter. Votre maison, vous pourrez même pas la vendre à 2 francs 6 sous. Hein. Au revoir. Et voilà qui est fait. Ah, et grâce à cette influenceuse-là, la maison, elle valait plus rien. J'ai pu l'acheter à 50 euros. C'est trop bien. Je vais pouvoir vivre éternellement dedans. C'est trop bien. Même sans mes parents, bah ça sera comme s'ils étaient là. En fait, ils sont pas là. Voilà. Ah, c'est super pour vous. Hein. Je suis vraiment contente que vous ayez pu acheter cette maison vraiment pas chère. Bon, on va dire que vous êtes gagnant dans l'histoire. Moi,
Je suis passée d'une commission de 3 millions d'euros à une commission de 1 euro. Voilà, super. Mais bon, si je peux aider quelqu'un hein, dans l'histoire. Hein. Thank you.